je n'aime pas Bec au Vent et Shinvala, j'aime bien. Shinvala, je trouve que c'est un très bon perso. Bon, je vais forcément un moment foirer avec, mais sur les trois dernières games, j'ai fait 3 top 1 avec le perso. Oh, il y a un gros lobby là. Là, il y a un gros lobby. D'habitude, dans un lobby, il y a souvent 2, 3, 4 joueurs qui sont à 8K. Là, il y a 12, 11, 11, plus de 9, plus de 9. Il est costaud ce lobby, disons. Ça va être intéressant. Une belle adversité. J'ai déjà vu pire. Salut Vanonheim, bienvenue. Vanonheim 92i. On dirait un village alsacien, ton pseudo. Pas ouf. Peut-être ça et ça. Mur dragon, mais bon. Mur dragon, c'est pas mal, mais... Peut-être ça et ça. Non, ça. C'est dur à dire. Ça c'est tempo, mais ça marche pas avec ça. Non, mais je crois que... J'accepte d'aller chercher des élèves en fait. J'accepte d'aller chercher plein d'élèves. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Bon, le crépitant, c'est un beau bébé quand même. Oh non! Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Ça, c'est intéressant. Il y a un monde où je fais un up. Je fais voleur. Up à 1, ça. Ça fait 5 et 1, 6. C'est pas mal en vrai. Ça permet de passer ça en 2-5. En vrai, j'aime bien l'idée. Piquez leur cadeau festif. Je trouve que ça rajoute une belle tempo. Et en même temps, je monte dans la 3. Bon, la 3, c'est pas une très bonne taverne pour les élèves. Hein. Comme vous le savez, la 2, elle est cool. Il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes. Et la 4, évidemment, elle est incroyable. Mais de toute façon, pour passer dans la 4, faut bien aller dans la 3 à un moment donné. Hein. Bon, il est pas si dégueu mon board. Gardien, à l'attaque. Ah, tenez, ça va vous remettre en selle. Je fais un roll.
toute façon, ça m'intéresse pas. Ok, cool, ça et ça. Ouais. Dans cette méta, faut très souvent aller chercher la 4. Hein. Faut pas grid. Meneur hargneux. Outsider. C'est pas mal, Outsider. Ça fait de la tempo, c'est ce qu'on veut avec ce personnage. Pas la carte du siècle, mais... D'abord... Ok, bon, là on est content, on a une très belle tempo. Super. LM, pardon, j'arrive jamais à win. Pour quelle raison? T'arrives pas à construire? T'arrives pas à tempo? C'est quoi qui te pose problème avec élémentaire? Alors, la lampe à lave, c'est sympa. L'étal de souvenirs, c'est lent ça, mais c'est fort mais c'est lent. Lampe à lave, c'est cool. Après, ouais, c'est pas mal. C'est dur de vendre 5, surtout qu'il n'y a pas Murloc. Mais Blob d'Azeroth sinon. Je sais pas. Peut-être étale de souvenirs, en considérant qu'on est pas mal en tempo. On n'est pas extraordinaire non plus. Lampe, ça apporte rien de plus. Je crois que je prends la lampe quand même. Du coup, c'est bien. Peut-être je up et je fais ça. Non, j'ai envie d'avoir des up pas chers. En vrai, il y a un monde où je prends juste Fyrex et je tempo à fond. Serviteur, c'est un habitué. Ouais, je crois qu'on va bourriner la tempo avec ce Fyrex. De toute façon, on a déjà de l'avance, on est à 23 là. C'est assez rare dans cette méta d'aller dans la 4 dans ce spot, je trouve. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Qui a fait ça? Nous sommes libres. Personne ne perturbe mon foyer. Prends ça. Je vire ça, je prends le dragon. Non. C'est un habitué. Nous sommes libres. Ok, bon, on a fait un joli tour. Pas mal d'économies.
La tempo, elle est pas extraordinaire, ça me fait un peu peur. Ici vous sera très utile, vous verrez. La brise marine se m'endort. Nous sommes libres. Oh, voilà. C'est cool. Personne ne perturbe mon foyer. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. C'est chaud, hein? C'est chaud parce qu'on se retrouve très vite à 13. Par contre, on a généré énormément d'économies. C'est tendu quand même. Faudrait trouver l'armure là pour souffler. Mais vous voyez, l'économie tour 8, notre taverne 6, elle coûte 0. Mais par contre, bah, la tempo c'est comme Murloc. La tempo c'est des compos qui sont très fortes dans le late game. Mais dans leur lit, c'est vraiment difficile. Ok. Bon. Soit on prend les LM, soit on part en Azerith. Azerith, ça peut être pas mal avec lui. On part en pirate, Azerith. Après, on a peut-être envie d'être en mode full LM rock-rock, vous voyez, peut-être. Je pense que c'est plus ambitieux de partir en rock-rock qu'en Azerith. Surtout avec ça. Let's go. Donc ça, ça dégage. Bon là, faut trouver Rock Rock, mais on va le trouver. Bon, Bran, c'est bien aussi. Vous avez soif ? Ouais, tu faisais pas confiance non plus. Qui sait les secrets que nous avons à découvrir ? Plaisir de faire affaire avec vous. C'est un truc de fou, hein. Reprenez vos esprits et remettez pied à l'étrier. C'est un truc de fou, hein.
En fait, le givrelin, je vais pas forcément l'acheter. Autant le manger. Parce que de toute façon, j'ai besoin de la place si je veux rentrer un rock-rock, de rock-rock. L'amalgame aussi, hein. L'amalgame, il est très bien. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. L'avantage c'est que ça prend ennuyeux ça. Serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Vous avez soif ? Trouvez un sacré bon filon, ne lâchez pas! On est énorme, hein. En même temps, on joue en taverne 6 depuis 3 tours. Hein. On est énorme, mais ça fait peur parce que si nous on est énorme, surtout que le lobby est très gros. Salut Greg! Le lobby il est très très costaud en côte. Donc. Si nous on sait faire ça, peut-être que les adversaires peuvent le faire. Après on a vraiment un bon personnage et... Et puis je pense quand même être... Avoir peut-être un petit edge sur mes adversaires, mais pas sur tous. Bon. Ok, faudrait trouver de l'armure. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ouais. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Ah, ça c'est cool. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Oh. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Merde. De qualité. Mais, il n'est pas confiance non plus. Vous avez la pioche facile. Est-ce qu'on veut un de plus ? Bah ça, triplé, ça pourrait être pas mal quand même. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. On pourrait donner réincarnation à ça, mais je crois que ça m'intéresse pas. C'est toujours utile d'avoir du renfort. C'est gros ça. Une action qui rapporte. Oh, réincarnation, tiens. Bah. Ouais, après j'ai. Non, juste un. Je veux quand même un peu d'économie. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Pas confiance non plus.
partenaire à qui on peut se fier. Ça en fait des pièces, hein. Se fier. Je connais ces bakes là quand il reste 3 secondes. Salut Zendaye, merci de ton soutien. Merci pour ton aide, merci beaucoup. 5 mois déjà, merci ton abonnement. Et merci la volette. 16 mois, merci beaucoup. J'espère, hello Fish, j'espère me rapprocher petit à petit de l'invitation pour la fête des 10 ans. Bien sûr, t'es déjà à 16 mois. Bientôt. Bientôt tu pourras prétendre, comme on dit. Eh ben, faut passer loin. Ah, j'avais pas vu lui. Il y a un petit à la fin. Aïe. Bon, pour prendre de l'armure si jamais on est encore 5, ce qui est assez plausible. Super. Ok. Ah, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. On a un rock de plus là, mais. Ah, Faugeur, ça va être sympa. Mesure de sécurité désactivée. Je refuse jamais de l'aide, aussi petite soit-elle. Quoique. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Pour le coup... Non. Pas confiance non plus. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Faut que j'aille un peu plus vite parce qu'en fait je suis quand même pas loin d'avoir mana infini. Et vu que moi je suis très lent en plus de base. Lent mais deux fois plus rapide qu'Oliège. Ah, Oliège il est lent comme moi aussi. Après on n'est pas lent. Enfin, je sais pas comment on joue Oliège mais... Nous on n'est pas lent. C'est juste qu'on... On a des gros cerveaux. Avec Oliège on a des très gros cerveaux. Et on est des personnes âgées. Donc on réfléchit... On réfléchit beaucoup. C'est pour ça. Mais je suis pas lent franchement. J'ai utilisé toute ma mana, alors certes j'ai acheté un sort à 3 à la fin, mais... C'est ça, je suis pas lent, j'apprécie mon tour, exactement. Je regarde le paysage, j'apprécie le moment quoi, je vis l'instant présent tout simplement. Merde, il y avait le... Ouais, tu ne fais pas confiance non plus. On s'en fout de ça. Ok, c'est cool ça.
terrain. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Destruction! Oh, cool ça. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Tu radotes, Bob, hein. J'ai la pioche facile, j'ai l'impression. Ouais, cool ça. Quelle adresse ! Je suis épaté ! Rock'n'Roll ! Je ne fais qu'un avec une fille ! À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Oh, c'est gros ça. Vous avez soin ? Ok, c'est pas mal, hein. L'or est à vous. Ça, c'est une plaie, hein. C'est une plaie d'Égypte, ça. Hein. Oula, ça, c'est un peu chiant ce qu'il a, mais. C'est beau parce que lui, il est énorme. Hein. Franchement, il a un board monstrueux pour un tour 13. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il a massacré tout le monde avant. Bon, c'est faux. On va parler le combat d'avant. Le sort qui mange pourrait être intéressant pour manger les lèmes de roll, j'en ai plus besoin. Après, il a Boubou Divin, les lèmes de roll. Non, peut-être faut manger Bran, je pense. Bran, on en a pas besoin. Final contre Bête. Ah. Bête, c'est quoi Bête? Bête. Bête bizarre, hein. Bête, t'as vrai. Ok. Bon. Ce serviteur, c'est un habitué. Personne ne perturbe mon foyer. Refuse jamais de l'air, aussi petite soit-elle. Oula. Vous allez vivre votre propre. Ah, c'est intéressant ça. Confiance non plus. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ça serait pour au mieux. Vous pouvez finir par attraper des coups de soleil. Vous avez soif ? Destruction ! Destruction ! Un éboulement. Je me tâte à prendre lui, mais bon. Je tâte, mais finalement je le prends pas. Ouais. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. C'est nul ça. Non plus.
ça peut être sympa. J'ai pas confiance non plus. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement okay. qu'elle est de notre côté. Ah ouais, mais... Oh, bon. Ça, c'est un LM. Je pense qu'on va finir avec le taunt. Sur lui. Pour protéger la sorcière ronce. Sorcière ronce sur ça, ça fait rien. Bah écoutez, je suis fat, hein. Ouais, j'ai mana infinie, en fait. Là, j'ai accepté. En fait, je peux avoir... Si tu me donnes une heure, l'heure, je l'utilise, vous voyez. Avec le Bran. Parce que en fait, si j'optimise parfaitement tous les rolls, j'ai mana infinie, je vais toujours retomber sur un truc qui va générer des cartes. Et générer des cartes, ça génère des LM qui génèrent des rolls, qui génèrent des cartes. Tu vois l'idée? Donc là, j'accepte de pas utiliser les rolls parce que je sais que je n'aurai pas le temps. Tout simplement. Magnifique, hein. C'est une belle première game, hein. En plus, dans un lobby hyper costaud. Ça va faire des points, ça, je pense, hein. Ouais, 84, c'est beau, hein. Parce qu'un top 1, c'est plus 70 en général. Ouais, c'est un très très beau top 1, ça. Meshinvala, 4 games, 4 top 1.